La Guinée ke odoro odonaga kelide odoro mene wa maheri nango odoro otambe mamadi dumbuya namfama aheri fioma odoro nye. On vous a parlé au ma menfe. Mamadi Doumbouya vous a chanté ici le 5 septembre. En la démocratie, les Guinéens ne se parlaient pas, vous n'avez rien compris. Vous avez vu ces nouveaux soldats, les éléments des forces spéciales que Mamadi, bonsoir à tout le monde. Vous avez vu, le bandit était à l'inauguration. Odo Romeni, vous voyez, ils sont tous en belé rouge. Voilà. Parce que quand je vous parle, au moins même, Odo Romeni, partagez, vous avez vu? Mamadi Doumbouya est en train de s'asseoir. La Guinée le bandit est en train de s'asseoir, de préparer. Il veut faire comme Lansana Conté Marafa. Je vous ai dit ça ici, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit ce coup d'état n'avait rien à voir avec le troisième mandat, n'avait rien à voir avec tout ce que le bandit vous a cité ici. Eh, la Guinée. Aho, kinekene nana moutama. Odo Romaini, n'y a? Ona Gauramaga. Tous les braves fils de ce pays sont en train de mourir petit à petit. Ils sont en train d'humilier d'autres. Un groupe de bandits, de fainéants, de vauriens, de narcos prennent le pays en otage. L'armée, asseyez-vous. Actuellement, les petits qui sont, Mamadi vient de former aujourd'hui, qui sont sortis aujourd'hui, des commandants, des colonels qui ont servi le pays pendant tant d'années, ces petits-là sont payés que vous. Ces petits soldats-là sont mieux payés que vous aujourd'hui. Ils ont la force que vous aujourd'hui. Ces enfants qui viennent, les petits qu'on vient de former aujourd'hui, à Conakry, leur famille, ils sont intouchables que la famille d'un colonel ou même d'un général. Aujourd'hui, dans les boîtes, quand ces petits-là, ces éléments de force spéciale, rentrent dans une boîte, personne ne peut faire autre chose. C'est eux qui commandent. Naganou Wayantou et Kombiti, personne ne peut parler. C'est comme ça qu'on a cru aujourd'hui. Demandez dans les boîtes aujourd'hui. Tu ne peux même pas faire concurrence avec copine fée. Et Nafala, et Tawamago, Narango, toi, il faut partir. Mais c'est incroyable. Nabire n'a pas fait Mourabore. La Guinée qui est au dehors. Dit bandier, n'est Saoura Bafé. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Asseyez-vous. Le plan de Mamadi, il y a d'autres encore qui doivent. Des gendarmes. 500 gendarmes encore qui vont aller former. Et Odo Romeni. C'est pourquoi ils n'ont même pas peur. Maman, Amara est en train d'acheter des maisons. Bala Samoura, tous ces gens-là, ils se disent que le pouvoir là, c'est pour eux. Et ma Benim. La Guinée qui est au dehors. Mon assaut représente Fakonde Nama. Naga nous fafé. Naga nous n'a la Guinée tifé. Afanira. Les forces spéciales ont été créées pour lutter contre le terroriste. Mais le bandit Mamadi Doumbouya est venu se servir. Alia qui était le commandant. Alia est où aujourd'hui? La Guinée qui est Mara Falaobé. Yanfa Naganabar et tout, c'est-à-dire tout le peuple de Guinée, Bira Sarifima Nekirin Kirin. Parce qu'on s'est assis ici, tout le monde a vu présent Fakonde, Kobrife Akhay Yomuna, Abioma Akhay Yomuna, Lux Akhay Yomuna, Akhay Nuna Nagama, c'était nos barrages. C'était le développement de ce pays. Mais Odo Romaine, Otambarabara présent Fakonde Nana, Odo, quand j'entends des fouillantés politiciens au troisième mandat, au flanqué Meni, on aura quelle idée? Ne vous donnez pas les mains pour faire partie de ce bandit-là. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Odo Romaine, bandit effaré, co-Krief. Cette histoire de Krief, les Damaro, le docteur Diané, docteur Kassori, tous ces Ibrahim sont en prison. Ils sont venus ici. Oh, Krief, c'est rentré, c'est sorti. On vous a parlé l'histoire de... Vous avez écouté le chinois. Je crois que pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller sur Djoma. Voilà. Ça y est, sur Djoma, le procès des anciens dignitaires. Vous allez écouter le chinois dont on dit complice. Mais c'est incroyable. Vous avez vu la vidéo?
du Chinois qu'on est en train d'interviewer. Vous avez pensé qu'il vous a remis ce chèque? Vous avez vu? En quelle qualité? En quelle qualité, oui. Je crois qu'il est simple pour. Il représente l'Assemblée pour me déposer ce chèque qu'il me doit. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé que M. Amadou Damaro, M. Michel Kamano, Mme Zénab Camara, vous dire une fois que si vous ne payez pas un centime sur le montant que vous percevez, vous n'aurez pas d'autres contrats ou bien que d'autres montants ne vous seront pas payés. Est-ce que cela a été tenu par ceci? Vous avez vu le procès des 26, le procès des dignitaires. Je vous ai dit, Lucene est mort pour rien. Mbe blakuru ya kumalama amara mo fufa fumo kundamu na koro. Cette histoire de Krief, les 15 milliards dont on parle, qu'on accuse Damaro et les autres, Michel Kamano, tous ces gens-là, les 15 milliards, trois nouveaux, les bus, là, les trois bus ont été achetés dans l'argent. Là. La rénovation de l'Assemblée, il n'y avait même pas de toilettes, on a vu les images. Les primes des députés, parce que tous les comptes étaient gelés. Vous saviez qu'avant même les élections, le président Fakonde avait gelé tous les comptes. C'était des audits. Mais comme les gens-là, eux, ils savent faire du bruit seulement. Demandez tous les ministères, tous les comptes étaient gelés. Je vous avais dit, même des DAF. Le nouveau siège de l'Assemblée. Donc, l'argent est resté 6 milliards que les danseurs ont bouffé aujourd'hui, dont personne ne veut en parler. Donc, sur les 15, ils n'ont utilisé que 9 milliards. 3 bus. Prime des députés, rénovation de l'Assemblée et les autres coins. On vient aujourd'hui en train d'humilier ces élites. Vous avez tous écouté le Chinois. Que lui-même, il a fait un geste par humanisme à Damaro. Lucene est mort dans cette affaire. Wallah, Dieu n'aura pas pitié de ces gens-là. Faites tout ce que vous voulez, billahi, vous allez tomber. Vous êtes en train d'humilier des personnalités dans ce pays-là. Qu'eux, ils ont volé. Amara aujourd'hui a acheté maison à 2 millions. C'est-à-dire tout le problème des Damaro où Lucene est mort ne vaut même pas 2 millions. C'est 1 million et demi de dollars qui faisait 15 milliards. Mais Amara lui seul aujourd'hui a acheté une maison à 2 millions de dollars. Et vous êtes là qu'au nom, c'est vous qui êtes blanc comme neige, c'est vous qui allez faire la refondation de ce pays. Mais là, vous serez humilié devant tout le monde. Tout ce que vous êtes en train de faire aux autres, vous allez tous passer. Vous êtes jeunes. Tous ces gens-là, ils ont déjà fait, je dirais, trois quarts de leur vie. Ils ont déjà fait trois quarts de leur vie. C'est vous qui êtes encore jeune, c'est vous qui êtes au milieu, c'est vous qui avez fait peut-être la moitié. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Mais là, tout ce que vous êtes en train de poser aujourd'hui va se retourner contre vous. Vous faites du bien, vous aurez le résultat. Vous faites du mal, vous allez récolter. Les dadis sont où aujourd'hui? Vous pensez que vous êtes éternel, que vous pouvez berner ce peuple? Non! De la manière vous avez fait le coup d'état, billahi, d'autres vous fera le coup d'état pareil. Même les enfants que vous venez de former aujourd'hui, que force spéciale, billahi, les enfants là vont se retourner contre vous aussi. Vous pensez que les enfants que vous êtes en train de former aujourd'hui, que ceux-ci sont maudits, malgré que vous les payez aujourd'hui pour que ceux-ci restent à vos soldes, mais billahi, ils vont se retourner contre vous. À un moment donné, ils vont faire le choix. Parce que Mamadi l'a dit, quand il s'agit de faire le choix entre le peuple, un individu, que ce choix est rapide. Billahi, la vidéo est là-bas. C'est Mamadi qui l'a dit. Le choix entre le peuple et un individu, que ce choix doit être rapide. Donc, tous ces soldats derrière Mamadi, billahi, ils vont se retourner contre Mamadi. Nalma Mamadi Boya, c'est que Nko est beau. Anyewa Matou. Kisilom Belisraya Laburo. Moi, je vous ai dit, continuez à humilier. Vous avez vu, la vérité est là maintenant. Le Chinois a parlé. Et vous êtes là à mettre des personnalités en prison qu'ils ont détournées. Tout simplement des prisonniers politiques. Parce qu'ils ont peur aujourd'hui que ceux-ci parlent au nom du RPG, parlent au nom des partis politiques. C'est pourquoi ils les ont mis en prison. Mais allons-y. Je vous ai dit, Al-Kantal est long. Mais Alata, Alma est long. Fankam et Al-Burote,
alabara prela luna lumina kun faya kun ada belabi. La vérité est là aujourd'hui. Le chinois, vous avez vu, allez-y sur Juma, le chinois a parlé. Il n'y a rien dans le dossier de Damaro. Rien, absolument rien. Damaro a quoi aujourd'hui? Mbe nyomo dendo yela kumalako amarako konya kade. Nyomo de umbe kray nala si la kake manamana kanfo e mouma. Amarabi, 2 millions, kabosaola. Il est en train de construire partout. Et après, on est en train d'accuser les autres. Mbe nyomo dendo yela kono, ko Damaro. Damaro, juma Damaro bro. Aywa Damaro la bo yela kona krike. Mais vous voyez ces gens aujourd'hui en train de voler, en train de, c'est-à-dire piller nos richesses. Ce que les autres ont cherché pendant 11 ans, ces voyous sont en train de tout délapider. Après, c'est pour dire qu'aux justices, des bêtises. Quand ça les arrange, oui, ils viennent se flanquer devant nous. Que non, ça c'est rentré, tel article. Celui qui vous a ordonné d'aller attaquer un président, de tuer des gardes présidentiels, vous aussi, vous serez jugé demain. Vous allez rendre des comptes. Celui qui vous a ordonné d'aller attaquer un président, tuer ces gens-là, vous allez nous dire. Celui qui vous a donné ordre aussi demain, quand le pouvoir va changer aussi, vous allez répondre. D'abord, où se trouvent les corps? Où se trouvent les corps de ces victimes du 5 septembre? Tout ce que vous êtes en train de faire, Billah, ça va se retourner contre vous. Tout le mal que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Anyawa Matou, vous pensez que vous allez endormir tout le monde. Allah, Anyawa Matou, ça va chauffer, mais ça va péter. Ça va péter. Anyawa Matou, continuez. Continuez à humilier des personnalités. Continuez à humilier des personnalités. Si vous pensez que le pouvoir, là, ça sera éternel, Anyawa Matou. Kakemoba, docteur Kassori, ça fait une année et une année et quelques. Ils sont en prison. Dadis, aujourd'hui, ils sont couchés à terre. Et après, vous parlez que non, que ce pays-là, que ce pays, les gens ne se parlaient pas. Que les gens ne se parlaient pas. Comment les gens peuvent se parler si des personnalités sont humiliées dans ce pays? Comment des gens peuvent se parler? Vous ne dépassez pas ces gens-là. Hein? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour notre pays. L'humiliation que ces voyous-là sont en train d'infliger à nos personnalités, et avec ça qu'on a que la Guinée va aller de l'avant. Des vauriens, des bandits de grand chemin comme ça vont venir nous parler de justice. Des criminels comme vous. Vous allez parler de quelle justice? De quelle justice vous allez parler? Mais l'armée guinéenne, moi je vous ai dit, asseyez-vous. Je vous avais prévenu de tout ça, mais vous n'avez rien compris. Troisième mandat côté fouille mamadi mon couronné fils rilom balile mamadi mamadi la loi n'était pas présent Alpha Condé là à la relation timentala à tes fausses que là la guinéenne présent Alpha Condé mamike à tes si madonna la lire doune même bara mon fou dans cas de lui ici la kono ko mamadi à loi n'est pas bourreau même à Kenya gansa ka faut quoi la guinée kona obéir maloyali mon souya minute parce que Manka Kadri, président Alpha Condé, le président Alpha Condé avait raison de dire que certains cadres malinqués étaient des malhonnêtes, les Lansana Kouyaté, les Koumara, ces gens-là. Kata la Guinée Fri Nazara Luma. Anadou Korofenuka, Bema Kosa, Bandulu, Alu Allah Intere Koson, Nyambu Korolu, Alumase Mikela. Lansana Kouyaté était ici premier ministre. Il a foutu quoi? Akamouke. Akamouke. Akamouke, l'ancien Akouyaté, Akamouke. Des gens comme ça, des égoïstes comme ça, là. Des complices de Mamadou Doumbouya pour faire le coup d'État. Le coup d'État qui est présent, le Fakonde là. L'ancien Akonte Terea, père son âme. Almal la Tchaya, il a rodé. Mais moi, je suis un peu de Kalounia. Fils de l'homme Balilou. Anyo Wamatoum, Wallah, Albedila Maloya, Kirin Kirin. Albibayon, Ambenya Kroya. Nal Malouke Djururo. Anyo Wamatoum, c'est que Alako, Tienté quoi. Anyo Wamatoum. Fils de l'homme Balilou. Vous êtes là à humilier des gens que nous on va venir s'asseoir. On vous a déjà prévenu. Élection dans ce pays, c'est entre deux partis politiques. UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. On vous a déjà prévenu. Al-Kisson, Al-Misson, c'est ça. C'est entre les deux partis politiques, RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD. Vous voulez éliminer Selouda, c'est dans les urnes. En tout cas, ce n'est pas dans la bouche.
Vous voulez éliminer Sidia, c'est dans les urnes. En tout cas, ce n'est pas dans la bouche. Vos bêtises que vous êtes en train de faire, que la nouvelle constitution où c'est rentré, c'est sorti. C'est des bêtises, je vous dis. Parce que ce n'est pas les élus du peuple qui sont là. Dans ça, je ne sais pas, des gens de Avaria là, ne représentent pas les élus du peuple. Quand vous voyez le maire de Télémilé venir se flanquer pour dire Mamadi à vie de telles bêtises, des vauriens comme ça, puis qui se réclament étant des élus du peuple, des voyous pareils. On entend des préfets qui sont nommés par Mamadi dire à vie des voyous pareils. Vous ne parlez pas au nom du peuple. Hein? Vous ne parlez pas au nom du peuple. À un moment donné, allez de bord d'Anatimina. Hein? Qu'au justice, justice. Il y a quelle justice dans ce pays-là? Bon, dites à Bachir Diallo, arrivé à un moment donné, tellement que ce type-là, Bachir, c'est le malheur qui l'accompagne. Quoi. Même son visage, quand vous regardez seulement, c'est le malheur. Bachir Diallo. Ça dit, pourquoi vous ne pouvez pas vous flanquer à Conakry? Chaque fois vous sortez, regardez son visage. On dirait un démon. Ouayatagimato. Regardez son visage. Moi, je ne sais même pas, il y a quel malheur derrière vous. Doumbouya était à Zérekouré. Malheur. Doumbouya était à Labé. Le retour. Malheur. Le cortège de Bala. Vous avez fait votre tournée, je ne sais pas de quoi. Bêtise. Kolabouy, encore. Bachir, des morts. Bachir encore, qu'à l'intérieur. Mort cette fois-ci encore. Vous ne pouvez pas vous flanquer à Conakry. Vous ne pouvez pas vous flanquer à un moment donné. C'est-à-dire, vous ne savez même pas que vous êtes malheureux. Vous êtes venu dans le sang. Vous avez trahi. Hé, hey, je vous ai dit, wallahi, alatina herekalalnya. Tout ce que vous allez toucher, c'est accompagné de poisse. Tout ce que vous allez faire, c'est accompagné de poisse. CNRD. Nka falni nan ko latina ala tehina la fe presal fa ko de sabarin tre amma seluda le namaluya amma sidi ala maluya. Les anciens de l'ancien compte, il les a pas humiliés. Il a fait ses barrages, il a fait ses routes, l'administration, guichet unique, tout ça il les a fait. Le trésor public, c'est-à-dire il y avait l'argent suffisamment. Ce n'est pas venir se flanquer devant les gens. Oh, refondation, Krief dans la bouche. Des vauriens, des bandits réunis comme ça. Kambre Balou Sonou. Djamana Eminibi. Al-Sela Munkela. Soulon Balilou. Kanate Kaboua Prezal Fakonde Mate Fou Kambre Balou Sonou. Des vrais narcos. Le pays est comment aujourd'hui? Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer. Nous, on pensait qu'actuellement, le sac de riz allait être autre chose. Bon, partagez, je vais terminer avec ce fou de, je ne sais pas, Kodja ou Pankba. Voilà. Fama. Voilà. Écoutez. Voici des gens, au lieu de porter plainte contre Dja ou Pak, le fou qui est à Kankan là, porter plainte aussi contre le fou qui est à Kankan. Charles Ouret, au lieu de porter que plainte contre Dja ou Pak, le fou qui est là-bas à Kankan a dit pire sur les peuples par rapport à Dja ou Pak. Vous ne parlez jamais de ça. Matin, midi, soir, il parle. C'est pour Dja ou Pak que vous avez vu. Sinon, le fou qui est à Kankan là, lui, il dit des propos communautaires
à diviser les gens matin, midi, soir. Vous ne portez pas plainte contre lui. Celui qui a Kanka. Celui qui a dit que le pouvoir a quitté la chambre est venu au salon. Ses propos sont pires que pour Dia Oupak. Parce que lui, il a dit pour lui en soussou. Je me demande quelle justice dont vous parlez. Les autres sont là-bas. Ils disent des propos matin, midi, soir. Communautaire, c'est pour Dia Oupak. Je ne suis pas contre. Hein. On peut critiquer, parler de politique. Mais aller jusqu'à ce que fait ce fou-là, je ne suis pas surpris. Parce qu'on dit qu'il y a des Rasta cool, des Rasta fous. Dia Oupak, c'est un Rasta fou. C'est des fous, quoi. C'est des gens dérangés. Il vient s'asseoir, il s'attaque à toute une communauté. Tu peux critiquer la politique de quelqu'un. C'est ce LSLODA que tu veux critiquer, critique-le. C'est l'UFDG que tu veux critiquer, critique-le. Sinon, dans le gouvernement du bandit Mamadou Doumbouya, son ministre de la Sécurité, il est peul. Ousmane Gawal est peul. Le frère de Siakabal, l'agriculture, il est peul. Le ministre de la Santé, il est peul. Il y a plusieurs ministres dans son gouvernement. Mais toi, tu viens, tu t'attaques. Je ne sais pas quelle politique de division, bande de vauriens que vous êtes, Dia Oupak, des idiots pareils. Mais il n'est pas seul. Il y a un fou à Kanka aussi qui tient des propos. Il est sur Facebook. Charles Wright. Il y a un autre fou là qui tient ces mêmes propos. Vous ne portez pas plainte d'eux. Parce que les critiques maintenant, c'est-à-dire, souvent quand je dis c'est un gouvernement de Facebook, des réseaux sociaux, c'est-à-dire quand les critiques atteignent un certain niveau, qu'ils réagissent. C'est comme la dame qui a perdu son poste. Il y avait un véhicule VIA où il y avait des planches là-dessus. On a tous vu les critiques, même moi j'ai critiqué et on a vu le résultat. Ils ont limogé la dame qu'au faute l'autre. Pourtant, on n'avait même pas besoin de limoger la dame. C'était juste de dire que oui, on retire ce véhicule. Mais elle n'avait pas besoin de perdre son poste. Mais comme il y a eu des critiques par rapport à ces propos-là, Charles Wright, que oui, poursuite, on doit arrêter Dia Oupak. Moi, je suis d'accord qu'on arrête. Mais le fou qui est à Kanka, il tient des propos pires que Dia Oupak. Il attaque. Moi, je l'ai dit, on peut attaquer des partis politiques, mais attaquer une communauté. Non, mais c'est pire, c'est grave. Je salue la décision. Je salue la décision. Charles Wright, pour la première fois, je salue cette décision. Mais il n'est pas le seul à tenir des propos communautaires. Il y a un fou à Kanka que vous devez interpeller aussi. S'il est dérangé, c'est un fou. Les médecins vont nous dire, oui, il est fou. C'est pourquoi il tient des propos pareils. S'il n'est pas fou, s'il est communautaire, vous devez aussi l'arrêter. Ce n'est pas que Dia Oupak seulement. On peut parler de politique, mais pas de communauté, venir s'attaquer à toute une communauté. Donc, arrivé à un moment donné, il faut que ces gens qui se disent blogueurs, activistes, arrêtent des propos communautaires. Qu'ils arrêtent des propos communautaires. Comment quelqu'un peut se lever comme ça, venir se flanquer devant les gens, attaquer toute une communauté? C'est rentré, c'est sorti. La politique, il y a un parti, il y a des partis politiques. La politique, il y a des leaders politiques. Tu veux parler, attaque ces leaders politiques, critique le parti politique. Mais ne venez pas attaquer toute une communauté ici. Et tu viens, tu remontes, tu vas jusqu'à dans l'histoire des trucs, à dire des conneries. C'est ce que je vous ai dit. Ce que Dia Oupak a dit là, si moi Damaro, j'avais tenu ses propos pareils, pour m'extrader en Guinée, c'était à la minute. C'est pourquoi j'ai dit, il y a certains, ils sont fous. Ce sont ces propos-là, tu ne peux pas dire aux États-Unis. Je peux insulter Mamadi Doumbouya matin, midi, soir. Je peux lui critiquer comme je veux matin, midi, soir. Mais ces propos que Dia Oupak a tenus, si moi, je tenais ça ici, les jours à venir, on allait me mettre dans l'avion directement en Guinée. Parce que ça,
on plaisante pas avec ça ici, aux États-Unis. Des propos communautaires, non. Racisme, non. Donc, Charles Ouret, pour la première fois, je te dis chapeau et je vais voir la suite. Parce qu'il faut, ne venez pas nous dire ici, non, c'est un supporter de Mamadou Doumbouya, non. Et je vous dis, le fou qui est à Cancan, n'oubliez pas le vieux fou là. Aussi, ses vidéos sont sur Facebook. Voilà. En tout cas, là, si tu le fais, ah là, je vais dire, voilà, Charles a compris. Sinon, vous n'êtes pas sur la voie de affaire de Mamadi Kabbalah. Tu penses qu'on a oublié le narco qui s'est évadé? Tu n'as pas porté plainte? Tu n'as pas arrêté quelqu'un? Maintenant, pour le Belge, là, tu viens suspendre et même limoger certains. Donc, votre justice, là, on ne comprend pas. Hein. C'est quand il y a des critiques, c'est quand ça vous arrange qu'on parle de justice. Je vous ai dit, cette transition, à un moment donné, vous avez échoué totalement. D'abord, Mamadi est un traître, il a trahi son bienfaiteur. Et en plus, c'est un tonneau vide, il n'y a rien dans sa tête. Et c'est un légionnaire, un mercenaire de ceux qui ne veulent pas voir le développement de la Guinée. Parce que nous avons dit en 58 non à ces gens-là. Et aujourd'hui, ils ont une marionnette qui est là aujourd'hui, en train de déstabiliser notre pays, en train de détruire la Guinée totalement. Je vous ai dit, hein, asseyez-vous. Wallahi, si Swapeti l'avait reçu. S'ils ne vont pas saboter Swapeti, parce qu'ils ne veulent pas qu'on transforme la bauxite. Je vous ai parlé ça même fois, mais vous ne comprenez pas. Billahi, s'ils ne vont pas saboter ce barrage-là. S'ils ne vont pas saboter Swapeti, asseyez-vous tout. Tout ce que le président Alpha Condé a fait comme acquis, ces gens-là vont saboter. De la manière qu'ils ont fait à feu à M. Sékou, vous n'avez rien compris. Asseyez-vous. Sadiba nous a parlé des armes disparues, non? Des armes perdues en Guinée. Comment se fait que des armes immatriculées et ces armes, on ne peut pas les faire sortir du magasin sans qu'on ne signe? Personne n'a été suspendu. Vous n'avez jamais entendu. Peut-être que quand on va parler maintenant, ça va les déranger. Ils vont nous dire oui, tel a été arrêté, tel était là-bas. On ne peut pas faire sortir des armes, demander les militaires dans leur code. Comme ça, des armes des Nations Unies, avec quels moyens logistiques? Ces armes vont se retrouver dans les mains des rebelles, des djihadistes au nord du Burkina. Ah là, la Guinée-Kaoumou, c'est se comprendre. Vous ne savez pas c'est qui Mamadi Doumbouya. Vous ne savez pas c'est qui Mamadi Doumbouya. Je vous dis, c'est une marionnette. Je vous dis, c'est un traître. L'armée guinéenne, on ne les connaît pas pour ce genre de coup d'État. L'armée guinéenne, c'est quand le président meurt. Mais un légionnaire, un bandit qui vient. Vous voyez aujourd'hui, le mal. On vole les armes. Eux-mêmes, ils font sortir les armes des Nations Unies. Et ces armes se retrouvent dans les mains des djihadistes, des rebelles au nord du Burkina. Contre la population burkinabée. Parce que le gouvernement du Burkina Faso n'est pas d'accord avec ces gens-là. Il faut déstabiliser le Burkina. Il faut donner la force aux rebelles. Par qui? Par le canal de qui? Par un ancien légionnaire. S'il n'était pas aujourd'hui en Guinée, il allait être en mission. C'est ça les légionnaires, pour aller déstabiliser les pays. Ils allaient faire des trucs, des missions nocturnes pour déstabiliser l'armée burkinabée. Mais aujourd'hui, quand il est président en Guinée, ah ouais, ça devient facile. Les armes des Nations Unies, on vole. Et celui qui paye les pots cassés, c'est Sadiba. Quelqu'un que tout le monde apprécie dans l'armée. Et qu'il est respectueux. Il n'aime pas les magouilles. Seulement qu'il s'est associé. On les a tous trompés dans le coup d'État. Parce qu'on les a menti que le président Alpha Condé n'allait pas faire 3 mois au pouvoir. Que si eux, ils restaient assis, que ceux qui arrivaient en 83 ou quoi, qui vont les éliminer, c'est rentré, c'est sorti. Voici comment ils ont berné beaucoup d'officiers malinqués dans leur coup d'État. Et c'est très bien fait. Soit vous êtes là pour le pays, mais vous ne parlez pas de communauté. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Vous êtes tous à la poubelle. Les bandits continuent à vous berner, à vous tromper.
Donc, moi, je vais vous laisser. En tout cas, nous, on prie chaque jour. Alama bandi menu bolankuna. Alama sotanamo menu bolankuna. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ils n'ont pas compris. J'ai dit, Mamadi n'a pas de baraka. L'opposition guinéenne était là. C'est une grande partie de la population. Ils ont tellement prié que le pouvoir tombe. Ils n'ont pas prié que ce qui est bon pour eux, qu'Allah fasse cela. Ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu maudisse le pouvoir du président Alpha Condé, que ces gens-là tombent. Dieu a mis de la baraka dans ce bandit de Mamadi Doumbouya pour faire le coup d'État. Mais Dieu, regardez aujourd'hui le président Alpha Condé. Il est où en Turquie? Jusqu'à présent, ses militants lui restent fidèles. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que Dia, c'est un complot, un grand complot. Dia, c'est le président Alpha Condé qui était capable. Donc, c'est pourquoi je vous dis, si nous devons prier maintenant, là, nous ne prions pas pour un individu. Prions pour le bien du pays. Que ce qui est bon pour notre pays, qu'Allah fasse cela. C'est parce que Dieu a répondu à l'appel de certains. Ils n'ont pas dit ce qui était bon pour eux, mais ils ont dit que Dieu maudisse ceux qui sont au pouvoir. Et ce sont des musulmans. Quand un grand homme de musulmans implore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que vous voulez. Ah, Dieu a fait. Mais le président Alpha Condé, lui, il est heureux aujourd'hui. Il est à l'aise. Ses acquis resteront toujours. Qu'à l'État soit pitié, sont là. La route nationale qu'il a trouvé le financement. L'hôpital Donka. Wallahi, Dieu va lui bénir pour tout ça. Pour tout ça. Donc je vous dis, quand vous faites vos prières là, réfléchissez avant de faire vos prières. Ce qui est bon pour le pays. Si nous prions de la même manière, billahi c'est kun fayakun, ces voyous l'avons quitté tout de suite là.